Mesdames et messieurs les élus, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs. Merci à toutes et tous d'être ici présents en cette date si symbolique. C'est un plaisir chaque année renouvelé de vous retrouver au 14 juillet. Juillet, c'est en effet d'abord célébrer un des moments les plus importants de notre histoire. Ce jour de 1789, où, prenant la Bastille, le peuple se libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique. Vous le savez, cette fête nationale appartient à tous les Français. Chaque année, nous nous retrouvons donc autour de nos armées, dans le respect de nos différences, pour célébrer notre communauté de destin. C'est certes un moment de fierté collective, mais c'est aussi un moment de gravité. Ce jour de fête nationale, le 14 juillet, est en effet une nouvelle occasion pour nous de rendre hommage à celles et ceux qui sont morts pour la paix et la liberté. Car cette date représente avant tout un message d'émancipation et d'espérance. En ces temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violence, de perte de valeur et de guerre à nos portes, célébrer le 14 juillet est l'occasion de réaffirmer notre attachement à un bien d'autant plus précieux qui reste rare et que nul ne peut affirmer qu'il nous est à jamais acquis, la République. L'actualité nous le montre trop fréquemment. Nos valeurs communes, celles qui fondent notre nation, sont attaquées. Et notre volonté de coexister en paix est remise en cause. Mais toujours, dans ces moments difficiles, nous nous retrouvons autour de nos valeurs. Plus que jamais, l'expérience nous invite, individuellement et collectivement, à la plus extrême vigilance, à la plus grande lucidité, mais aussi à la plus grande prudence face aux dérives toujours possibles. Le 14 juillet, nous célébrons ce qui nous unit. Nous célébrons ce goût absolu de l'indépendance que l'on appelle liberté. Cette ambition de donner à chacun sa chance que l'on appelle égalité. Cette détermination à ne laisser personne sur le côté du chemin que l'on appelle fraternité. Que cette fête nationale puisse être le moment privilégié pour nous tous de manifester notre appartenance à la même communauté de destin, à la même nation, la France. La République est belle. Profitons de ces moments de retrouvailles pour tisser les liens qui fondent notre nation, notre destin commun. Vive le Lardin Saint-Lazare, vive la République, vive la France. Donc je tiens à remercier donc les porte-drapeaux, les représentants donc des anciens combattants, la Concorde, les représentants de la gendarmerie, les représentants des pompiers. Bien évidemment, les passeurs de mémoire qui sont, comme d'habitude, vraiment superbes et qui nous ont fait l'amabilité de nous amener cette année des superbes, je dirais, véhicules, parce que je ne connais pas les termes, malheureusement. Voilà, merci infiniment en tout cas. Merci aux élus et merci à la population. Et je vous souhaite de passer une excellente fête de 14 juillet. Merci à tous.
terminer, donc pour ceux qui le veulent, vous êtes plombier, la municipalité vous offre un baromètre.